Ah bah super, j'ai une bonne gueule de zombie aujourd'hui. Ah, ça tombe bien, c'est le thème. Bonjour et bienvenue, ici votre Boviajano. Alors ça y est, le grand jour est arrivé, Walking Dead a enfin repris et certains d'entre vous regardent peut-être cette série. Certains ont peut-être même abandonné au bout d'un moment puisque les saisons n'étaient plus aussi bonnes qu'avant. Mais bon, on va pas parler de ça aujourd'hui. Je me suis quand même dit que j'allais vous proposer quelques recommandations si vous aimez bien cette série. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, petit détail important. Si vous avez envie de voir ma petite gueule tous les samedis mais que vous avez une mémoire qui flanche un petit peu, ça arrive, vous savez, vous avez une petite cloche pour recevoir des notifications, donc n'oubliez pas de le faire, ça peut être sympa. Le premier livre dont j'avais envie de vous parler, ça s'appelle Herb Best West Réanimateur, et c'est écrit par H.P. Lovecraft. Alors c'est un auteur qui gagne en popularité ces derniers temps, notamment avec son influence dans les jeux vidéo et dans la pop culture en général. Ce livre, je le conseillerais aux grands fanas de zombies qui s'intéressent de très près à la naissance des zombies dans la littérature, puisqu'en fait, c'est un petit peu à lui qu'on attribue le premier zombie de la littérature. En gros, avant lui, il y a eu Frankenstein, mais c'était un petit peu différent de l'image qu'on a des zombies. Ok, il revient des morts, génial, mais à partir de plusieurs morceaux d'humains morts, hein, il a cette capacité assez intelligente, alors que nous, on a l'image des zombies d'un seul corps qui revient à la vie et qui est assez violent et qui parle pas vraiment, quoi. Et justement, cet auteur, quand il a écrit ce livre, en fait, il s'est inspiré de Frankenstein et il a voulu en faire une sorte de parodie. C'est l'histoire du professeur West qui, pendant toute sa vie, va s'intéresser aux cadavres et qui va donc vouloir les réanimer. Ce à quoi il ne s'attend pas, le professeur West, c'est qu'une fois que ses corps, voire personnes, vont être réanimés, on va se retrouver avec des énergumènes assez violents qui ont envie de sang et de cerveau. Et ça, il l'avait pas trop prévu. La première fois que ça a été diffusé, c'était sous forme de feuilleton. Donc en fait, on se retrouve avec la vie du professeur West. Mais parfois il y a des éclipses assez importantes, donc voilà, ça peut ne pas vous plaire, je préfère vous le dire. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé les descriptions des zombies assez intéressantes, et si vous n'avez pas trop l'habitude de lire des livres d'horreur, ça peut être vraiment un très bon début. L'histoire derrière est un peu nulle, c'est qu'en fait Lovecraft il est pas très content de ce qu'il a écrit, et il a surtout écrit parce qu'il avait besoin d'argent, et qu'à chaque fois qu'il écrivait un petit bout, et bah il se retrouvait avec de la thune, quoi. Et ça casse un peu le mythe. Le deuxième livre dont j'avais envie de vous parler, il s'appelle Je suis une légende, et c'est à lui en fait qu'on attribue la première histoire en littérature d'invasion de zombies. Alors oui, les connaisseurs me diront, mais non, dedans c'est pas vraiment des zombies. Ça, on peut en discuter, mais c'est vraiment la pièce maîtresse qui a inspiré beaucoup d'autres auteurs à travailler sur la même trame avec l'image de l'invasion. Dans ce livre, on se retrouve avec Robert Neville, qui pense être le dernier survivant de la planète, puisqu'il y a eu un virus qui a éradiqué un peu tous les gens, et les gens qui sont encore en vie, ils sont entre mi-zombies, mi-vampires, et donc notre personnage principal, sa mission, ça va être d'essayer d'aller tous les tuer, mais aussi de trouver une cure. Tous les soirs, il va se barricader chez lui pour que ces créatures ne puissent pas rentrer, et ça m'a rappelé beaucoup la série où on se retrouve dans des endroits parfois très petits, parfois un peu plus grands, où pareil les personnages vont essayer de tout barricader et tout bloquer pour que les zombies ne puissent pas rentrer. Si le titre de ce livre vous dit quelque chose, c'est probablement parce que vous avez vu ou entendu parler du film. Il y a Will Smith. Will Smith, on l'adore. Mais il faut dire que dans le film, il y a beaucoup moins de questions qui sont soulevées et c'est beaucoup plus plat. Donc je vous recommanderais vivement le livre, en plus il est court, et c'est un argument important. Et personnellement, je trouve que dans le livre, on a quand même un plus grand développement du personnage principal. Tu m'étonnes, il est quasiment tout seul dans le livre, on a le temps de parler de lui. Le troisième livre dont il faut qu'on parle, il s'appelle La Route, et c'est un de mes livres préférés de tout le temps, et je suis trop contente de pouvoir enfin le caser dans une vidéo. Pareil, ici, pas de zombies, mais on se retrouve avec un cataclysme inconnu qui a dévasté la planète, et les rares gens qui ont survécu sont devenus un peu bizarre puisque tout le monde se casse un petit peu la gueule pour survivre, y a des gens qui bouffent d'autres gens, bref on n'a pas trop envie d'y être. Ce qui me fait beaucoup penser à la série dans ce livre, c'est le fait qu'il y ait eu quelque chose d'atroce sur la planète, et les gens, la meilleure chose qu'ils trouvent à faire, et ben c'est de se taper dessus. C'est quand même dingue, il y en a déjà pas beaucoup qui survivent, et la meilleure chose qu'ils trouvent à faire, et ben c'est de se mettre sur la gueule. Et ben c'est pas malin. Donc c'est quelque chose que personnellement je trouve assez intéressant de voir comment différentes personnes peuvent réagir face à la même situation. Dans ce livre, on va suivre un père et son fils, alors on va jamais connaître vraiment leur identité, on va jamais nous donner de nom en fait de ces personnages, mais on a cette relation très forte entre eux, une relation très fusionnelle, et ça m'a fait penser à la série avec Rick et son fils. C'est un livre que j'ai lu au lycée, et à l'époque
l'époque, j'avais tellement envie de le finir qu'en fait je l'ai fini en scred pendant un cours de maths. Ça ne se fait pas trop, mais voilà, tellement c'est poignant, j'arrivais pas à m'arrêter de le lire. Ensuite, je voulais rapidement vous parler de World War Z de Max Brooks. C'est difficile de faire une vidéo qui parle de zombies sans vous parler de lui. Personnellement, c'est un livre avec lequel j'ai eu un petit peu de mal, puisqu'en fait, j'en avais pas la bonne image. Après avoir vu la bande-annonce, en fait, je m'attendais plutôt à quelque chose où on allait suivre des personnages, avec l'intrigue tout le long, leur histoire de survie, et c'est pas vraiment ça. C'est un livre formulé avec des questions, des interviews, à différents endroits de la planète. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il va nous parler de tous les changements qui vont être faits après cette invasion de zombies, des changements religieux, géopolitiques, environnementaux. Donc en fait, c'est intéressant, mais je pense que c'est un livre où il faut savoir dans quoi on va se lancer. Et je voulais terminer cette vidéo en vous parlant d'une BD qui s'appelle Y, le dernier homme. En fait, ça va être l'histoire d'un monde parallèle dans lequel tous les hommes sont morts, sauf un. Donc ça va créer un sacré bordel. Pareil, ici on va pas se retrouver avec des zombies, mais le rapprochement que je trouve assez intéressant avec la série, c'est le fait que la société s'est quand même bien barrée en couille, et il faut trouver des moyens de s'adapter, de faire autrement. Et en fait on va se retrouver avec plein de petits groupes qui s'adaptent différemment, et ça m'a fait beaucoup penser à la série. Et aussi quelque chose que je trouve très intéressant qu'on retrouve dans les récits qui nous parlent de zombies ou de sociétés qui sont un peu parties en cacahuète, c'est le côté où on va nous parler, puisqu'il reste encore une forme de structure, on va nous parler d'un gouvernement et de voir ce que fait le gouvernement. Et c'est vrai que ça, dans Walking Dead, il n'y a pas du tout. Donc si ça vous intéresse, et ben il y a ce côté-là dans la BD. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. C'est une liste non exhaustive. Je n'ai pas lu tous les livres qui parlent de zombies dans la littérature, j'en suis désolée. Donc, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'irai voir tout ça, et ça peut même intéresser d'autres personnes qui regardent cette vidéo, donc faites-vous plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, c'est très important. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, hein. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Ici, tu peux t'abonner à la chaîne de Janos Olive, moi ça me ferait très plaisir. Et puis en attendant, si tu veux venir papoter, voilà tous mes réseaux sociaux.